deuxième exercice sur ce même type de machine-là avec la barre en Z. Donc, je vais faire une espèce de soulevé de terre, mais toujours sur cette machine. Donc, je vais soulever dans ce sens-là, sauf que je suis allongé. Donc, je vais renforcer encore mes lombaires et je travaillerai l'épaisseur des épaules en même temps. Donc, enfin, c'est des mouvements polyarticulaires que je fais ici. Aujourd'hui, je n'ai pas envie de cibler une zone de muscle particulier. J'ai envie de solliciter tout le haut du corps. C'est pour ça que je me suis mis sur cette machine pour pouvoir accomplir ces genres de mouvements polyarticulaires. Plusieurs muscles vont être sollicités. Lombaires, gainage, abdos, épaules, l'épaisseur des épaules, les rhomboïdes, etc. Donc, ça donne ça. J'ai chargé un peu, j'ai mis 15 kilos. J'ai mis 15 kilos de chaque. Non, 15 et demi de chaque. Et ça donnera ça. Je vais mettre les barres de sécurité hein, parce que je préfère mettre ça en sécurité pour que le poids ne puisse pas partir. Mais je préfère. C'est les pinces de sécurité. C'est ce mouvement-là que je voulais exécuter tout en gardant le dos droit, le corps hyper droit, le plus droit possible et on soulève, on tire l'épaisseur des épaules. C'était le deuxième exo.